Berg, né le 26 octobre 1927 dans le 14e arrondissement de Paris. Son père, Émile Raoul Vandenberg, invalide de guerre, gazé d'origine belge, gravement atteint par la tuberculose et chômeur, doit partir dans un sanatorium pour se faire soigner. Sa mère, Thomas Adler, née à Galați, en Roumanie, de confession juive, tente alors de subvenir aux besoins de la famille, mais malade, elle se résout finalement à placer Roger et son frère Adler, de 3 ans son aîné, à l'assistance publique, en 1932. Il passe là des années difficiles en internat. En 1935, ils sont confiés à 2 familles de paysans béarnais du village d'Arthez de Béarn. Pour aider au champ et tout en continuant à aller à l'école. Il obtient son certificat d'études, mais préfère gambader dans les champs. Leur mère subira la déportation du camp de Drancy au camp d'Auschwitz le 20 janvier 1944. Elle n'en reviendra pas. Il veut s'engager dans la résistance, mais malgré sa forte carrure, il est refusé, car trop jeune. Enfin, le 14 juillet 1944, avec son frère, il rejoint le camp Frontoniès, qui dépend directement du BCRA de Londres. Il s'illustre rapidement au sein de cette troupe, qui est la première à rentrer en Alsace. Le 10 janvier 1945, à 17 ans, il est blessé par l'explosion d'une mine, alors qu'il menait une reconnaissance pour laquelle il s'était porté volontaire. Cette action lui vaut d'être cité à l'ordre du régiment. À la fin de la guerre, Vanden, comme on le surnomme désormais, décide de rester dans l'armée. Il est alors affecté à la 2e compagnie du 49e régiment d'infanterie, formé des anciens du corps Frankomies qui est stationné en Allemagne. Nommé caporal en 1946, il se porte volontaire avec son frère pour l'Indochine et rejoint le 2e bataillon de marche du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient. Le 11 janvier 1947, Vandem embarque à Marseille. Un mois plus tard, il arrive à Tourane, en Annam, et tombe sous le charme de ce pays qu'il lui semble connaître depuis toujours. Le 6 janvier 1948, son frère aîné, Albert, est tué à Hamdong lors d'un assaut. Après la mort de son frère, son destin se cristallise. Ce deuil terrible qui le prive de toute famille de sang sera probablement la principale source de sa motivation dans ses futurs combats. L'adjudant-chef était un grand homme, athlétique, mais taciturne. Il ne fumait pas, il ne buvait pas. Sa vie se résume à cette époque exclusivement à son commando et à l'Indochine qu'il adore. Redoutable combattant, ses hommes le suivaient partout. Le 5 janvier 1952, le sous-lieutenant M. Nguyen, Tin Koi, le trahit et l'assassine pendant son sommeil, à Nam Dinh, ainsi que le sergent Puel. Vanden aura traversé la guerre d'Indochine comme un éclair et est mort à 24 ans. Sa tombe portait le numéro 263 au cimetière de Nam Dinh. En 1987, avec l'appui de plusieurs associations d'anciens combattants d'Indochine, et du colonel Louis Perreman, son cercueil ainsi que celui de son frère sont rapatriés en France. Roger à Castillon et non à l'école des sous-officiers de Saint-Mexant-l'École et son frère Albert à Arthez de Béarn. C'est le sous-officier le plus décoré de l'armée de terre française au XXe siècle, médaillé militaire, chevalier de la Légion d'honneur et 16 citations et 8 blessures, principalement gagnées pendant la guerre d'Indochine. C'était un militaire français. Et je pense beaucoup aujourd'hui à l'association qui était sa dernière cérémonie avec le président colonel Krichenko. Je vous remercie de votre attention. Colonel. Le Seigneur t'aime.
nous, qui nous rappelle notre baptême. Et nous rappelons aussi toutes les victimes des guerres enterrées ici dans ce cimetière et ailleurs, partout en France et dans le monde. Vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu nous délivrera. L'eau du baptême, l'eau qui t'a donné la vie, lavera ton regard. Et tes yeux verront le salut de Dieu. Quand viendra le dernier jour à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Va au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Au ciel et au ciel. Le Seigneur, tout cet homme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dépôt de gerbes. Hommage aux soldats morts pour la France. Passer la voiture, merci. Elle attend que je suis un moment, donc. Merci madame d'avoir attendu. Attention, il y a une autre voiture. Attention, qui bon, attendez, attention. Montez pas. Attention, parce qu'avec nos genoux en compote, vaut mieux éviter. Merci. Montez pas. Oui, on va se regrouper dehors. Doudou, viens ici.
sans idée de manœuvre, les drapeaux vous regroupez devant sur la première marche, s'il vous plaît. Oui, celle du dessous. Voilà, on se met tous. On essaie pour tout le monde. C'est bon? Bon, alors, sans idée de manœuvre, vous dirigez. Ah, tu en veux encore une?